son fort civil avait invité nos grands peintres français à venir goûter de sa cuisine à l'huile. On raconte que ce fut vraiment parfait. Après la soupe, radis et caviar pour faire plaisir au tsar. Ça sentait bon et le moment était suprême. Et la musique du 74e de ligne jouée ne vous déplaise, la Marseillaise, hymne vraiment français ou française. La conversation avait été très maigre jusque-là, quand l'épouse du président, qui avait à sa gauche ce sale lègue et à sa droite Monsieur Jean-Paul Laurence, dit tout à coup au ministre des Beaux-Arts: en voulez-vous du homard? Ça sentait bon, le moment était suprême, et la musique du 74e de ligne jouée ne vous déplaise, la Marseillaise, hymne vraiment français ou française. Mais subitement les liquides manquèrent, on était au gigot, aux haricots. Le président dit à son fils: ventre à terre, cours chez notre bistrot de la rue du Faux, me chercher 12 bons vieux litres de choix, dis-lui bien que c'est pour moi. Ça sentait bon et le moment était suprême, la musique du 74e de ligne jouée ne vous déplaise, la Marseillaise, hymne vraiment français ou française. Après le café, ce grand noircisseur d'armes, ces messieurs assurèrent sérieusement: notre président Auguste pour les dames et sa dame de leur profond dévouement. Puis ils se retirèrent tranquillement et tout en borboriquement. Ça sentait bon et le moment était suprême, et la musique du 74e